Ministère de l'Enseignement supérieur. Partenariat israélo-malgache. Des chercheurs malgaches de l'université d'Antananarivo travaillent en collaboration avec leurs homologues israéliens dans le domaine de la gestion de l'eau. En particulier, le sud malgache sera le premier bénéficiaire de ce projet. Ces experts israéliens sont spécialisés dans le recyclage de l'eau pour irriguer des champs de culture. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Monique Ressouzananir, nous apporte plus de détails. Monsieur l'ambassadeur, son excellence l'ambassadeur d'Israël nous a visités donc ce matin pour parler surtout de la science. Donc c'était pas seulement une visite de courtoisie, mais plutôt une séance de travail, parce qu'on a beaucoup parlé donc de la science, de la place de la science donc dans le développement, et nous avons profiter donc de cette rencontre pour discuter surtout de la collaboration qu'on pouvait faire avec Israël, avec les chercheurs d'Israël, donc concernant la gestion de l'eau, parce que c'est le domaine où les chercheurs israéliens excellent le plus, donc cette gestion de l'eau, et nous en avons parlé donc pour pour discuter aussi du cas du sud de Madagascar, surtout parce que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a aussi donc des points de recherche dans cette partie de l'île, étant donné qu'il y a un centre régional universitaire donc à Bouvouliandrou, à Fort-Dauphin, et là-bas donc on pourrait on pourrait en faire donc un site d'expérience et d'échange concernant la désalinisation et aussi l'énergie renouvelable, parce que nous avons parlé aussi de l'énergie renouvelable qu'on peut utiliser dans le centre universitaire de l'Andru, mais aussi pour la population. Donc c'est surtout autour de la gestion de l'eau et de l'énergie renouvelable dont nous avons donc parlé dans cette rencontre. Par ailleurs, le gouvernement israélien va offrir des bourses d'études à des étudiants malgaches, entre autres pour les filières suivantes: agriculture, santé et éducation.